Bonjour et bienvenue dans Musicorama pour cette troisième émission. Alors aujourd'hui, une émission consacrée au label Defected. C'est un label qui a été créé en 1999 par le Britannique Simon Dunmore. Alors aujourd'hui, le label Defected compte pas loin de 300 sorties d'artistes, parmi eux Masters at Work, Inner City, Dennis Ferrer, Soul Searcher. Et d'ailleurs, en parlant de Soul Searcher, ça a été la toute première sortie du label en 1999. Avec le single Can't Get Enough, qui s'est hissé jusqu'à la cinquième position du top single britannique. Donc c'était quand même très très bien à l'époque pour un label naissant. Et il aura fallu attendre 2001 pour que Defected se hisse jusqu'à la première position avec Another Chance de Roger Sanchez. Bon, après il y a eu évidemment To Be In Love de Masters at Work, Get Down de Paul Johnson et beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, c'est un label donc qui est notable. Hein. En 30 ans de carrière, il n'y a eu quasiment aucun faux pas de leur part, bien qu'il y ait eu des petits bas assez périlleux. Je parlais de l'époque de 2010 où il y a eu un courant musical qui est arrivé tel une bombe. Je parlais de l'IDM, de l'électronique dance music et de la dubstep. Donc les ondes ont vraiment été inondées par ce courant musical. Defected est vraiment resté sur sa ligne conductrice qui est la house. Et évidemment, il y a plein d'artistes qui ont surfé sur cette vague et qui ont une très très belle carrière en faisant de l'IDM. Mais Defected est vraiment resté fidèle à lui-même et toujours resté cohérent dans toutes ses sorties et dans le message réellement qu'il voulait faire transparaître de son label, c'est-à-dire la house music. Et il n'a pas du tout voulu surfer sur cette vague commerciale. Et je pense que c'est aussi la clé pour durer, c'est que en 30 ans de carrière, aujourd'hui, Defected, c'est le label référence pour la house music. Assez parlé, on va commencer avec... je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui, on va faire que... je vais vous présenter que des vinyles qui sont parus ou qui ont été édités chez Defected. Et on va commencer tout de suite avec le Tropical Sun Clash de DJ Gregory. Alors DJ Gregory, vous devez certainement le connaître, hein, c'est un DJ et producteur français qui a largement contribué au succès de Africanisme. Africanisme donc, est un concept qui est sorti chez Yellow Productions, donc le label de Christophe Lefriand et de Alain O. Donc il y a eu Tourment d'amour, il y a eu Block Party, en 2002 DJ Gregory a voulu créer son propre label qu'il a appelé donc Faya Combo, qui veut dire les gens autour du feu, ce qui est très joli. Et il va sortir ce premier vinyle qui s'appelle donc Tropical Sound Clash et qui a été édité chez Defected. Alors c'est un morceau un canon, c'est une espèce de beat house un peu feutré avec une mélodie de guitare acoustique et une espèce de loop un espèce de gimmick un petit peu afro. C'est une petite bombe qu'on va tout de suite écouter. Donc le Tropical Sun Clash de DJ Gregory.
Voilà, donc c'était le Tropical Sound Clash de DJ Grégory. Alors, on va rester en France avec un artiste français. C'est Save Our Soul de Bob Sinclair. Donc, c'est sorti en 2000 donc chez Yellow Productions, donc qui est le label de Bob Sinclair et de DJ Yellow. Et puis, ça a été édité en 2003 chez Defected. Alors, je pense que c'est un de mes morceaux préférés de Bob Sinclair parmi sa très, très longue discographie. Alors, évidemment, aussi avec l'album Concept Paradise, mais bon, il n'était pas tout seul sur cet album. Et pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre aussi. Alors, Save Our Soul, c'est un morceau qui commence d'une façon un petit peu prophétique, avec quelques mots façon sermon. Ça nous dit donc nous attendons des enfants qu'ils sauvent notre âme, et ce sont des mots qui sont assez forts et qui donnent une dimension et une profondeur au morceau, à l'image de tous ces morceaux de house des années 80 qui marquaient pour moi un certain relais politique ou même religieux. Mais pour revenir au morceau de Bob Sinclair, bon, malgré une production qui est assez simple, hein, assez épurée, pour moi le morceau est un vrai banger. On a une loupe qui est assez entêtante et dont on ne se lasse pas. Et puis il y a une énorme sub qui nous scotche littéralement. Eh bien, on va écouter Save Our Soul de Bob Sinclair.
Vous venez donc d'écouter Save Our Soul de Bob Sinclair. Alors, on va quitter la France et on va aller aux États-Unis avec Kevin Sonerson et Inner City. Alors, c'est un vinyle qui est sorti c'est un peu plus récent, en 2012. Alors, Kevin Soderson, donc c'est un DJ et compositeur américain qui est considéré comme un des pionniers de la musique techno de Détroit, comme Derrick May aussi, John Atkins, Jeff Mills, etc. Donc, c'était la même bande. Et Inner City, eh bien, c'est un groupe qui a été créé par Kevin Soderson aussi, et avec sa femme au chant, Anne Soderson, et une autre chanteuse, Paris Gray, qui est originaire de Chicago. Alors, Inner City, vous devez certainement connaître les deux tubes qu'ils ont sortis en 88. Il s'agit de Big Fun et de Good Life, qui ont été des tubes interplanétaires. Pour revenir à Future, donc c'est un vinyle qui est sorti en 2012, donc qui est sorti 10 ans après la séparation de Inner City. C'est sorti donc quasiment pendant toute cette époque où on entendait énormément de d'IDM. Et il y a eu cette petite pépite qui est sortie et qui avait un petit peu les mêmes codes hyper groovy, et puis avec des voix très présentes comme c'est très bien le faire Inner City. On va donc écouter Future de Kevin Soderson et Inner City. Don't walk away. We live and breathe a different way. Demanding change. There is no way to hold us down. Don't walk away. We live and breathe a different way. Deep.
C'était Future de Kevin Soderson et Inner City, sorti en 2012 chez Defected. Alors, le prochain vinyle que je vais vous présenter, c'est celui de Jennifer Harris, Welcome to Chicago, qui est sorti en 2003. Le voici. Alors, Jennifer Harris, c'est un ambassadeur de la musique house classique de Chicago. Jennifer Harris a été pendant près de 8 ans résident au Boom Boom Room à Chicago, très célèbre club. Et il a créé en 1992 son propre label qui s'appelle Harris Wheel Recording. Il a beaucoup collaboré avec Green Velvet et il va faire beaucoup de sorties chez Defected. Dont le très réussi Welcome to Chicago, donc qui est sorti en 2003. J'ai décidé de vous faire écouter Alien Instruction, avec mon super accent anglais. C'est un morceau assez particulier. C'est une espèce de trance un petit peu chaotique, aux allures un petit peu orientales. Je trouve, avec un espèce de saxo qui va se transformer en une voix dont on ne sait pas trop la langue. Enfin, c'est assez particulier. Je vous laisse découvrir ça tout de suite.
C'était Alien Instruction de Jenné Faris, sorti en 2003. Alors, le tout prochain vinyle que je vais vous présenter, c'est Kings of Tomorrow et le vinyle Dreams. Alors, c'est un vinyle qui est sorti en 2003 aussi, très très bonne année, hein, 2003. Donc, 2003 chez Defected. Alors, Kings of Tomorrow, c'est un duo d'artistes américains qui sont basés à New York et qui sont spécialisés dans la house et dans le garage. C'est un groupe qui est composé de Jason Seeley, dit Jay Sinister, et par Sandy Rivera. Alors, si leur nom ne vous dit rien, c'est que vous devez certainement... Si leur nom ne vous dit rien, vous devez certainement connaître Finally. Finally, qui est un hymne hyper, hyper joyeux, plein d'espoir, avec la voix inoubliable de Julie McKnight, qui est sortie en 2001. Et dont je n'ai malheureusement pas le vinyle, tant il est rare, je veux dire cher. Mais il y a plein d'autres morceaux qui sont sortis et qui sont aussi canons, comme le Dreams qui figure sur ce vinyle. Ça n'a absolument rien à voir avec Finally. C'est un peu plus dark, un petit peu moins fédérateur, mais c'est vraiment un titre pour moi qui est hyper puissant et qui a de nouveau une petite influence orientale, allez savoir. Et il y a des espèces de cordes assez mélancoliques. Je vais vous le faire découvrir tout de suite si vous ne le connaissez pas. On y va.
C'était donc Dreams de Kings of Tomorrow. Vous voyez ce petit côté un petit peu oriental. Donc absolument rien à voir avec Finally. Eh bien, c'est déjà le dernier vinyle que je vais vous présenter. C'est le Big Love de Peter Eller. Alors Peter Eller, c'est un producteur anglais originaire de Brighton. Donc il s'est surtout fait connaître grâce à son titre donc Big Love qui est sorti en 1998. C'est un titre qui a été accidentellement composé
comme beaucoup d'autres. Pendant un petit temps mort au studio, une petite pause clope, Peter Heller a extrait un vocal d'un standard de la musique disco qui s'appelle Stargard Wear It Out, qu'il stockait dans sa MPC Akai. Et quelques heures plus tard, Peter Heller avait une démo qui était déjà assez avancée. Et le morceau était toujours en stade de démo. Il s'était dit je vais revenir dessus plus tard, mais il l'avait quand même envoyé à son pote Frankie Knuckles, qui avait commencé à jouer cette démo durant ses sets. Et cette petite démo a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à arriver aux oreilles de tous les DJ américains house de l'époque, qui demandaient pour avoir ce morceau et pour pouvoir le jouer durant leur propre set. Sauf qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas Dropbox ni AirDrop, donc ils devaient attendre. Et en fait, ce morceau a vraiment, vraiment éclaté durant la Winter Conference à Miami de 98, lorsque Peter l'a joué pour une soirée Maxi Records. Et donc, il a commencé à la jouer donc pendant plusieurs mois. Et il y avait tous les DJ qui le poursuivaient pour avoir ce morceau, jusqu'au moment où Boys Own a conclu un accord avec FFRR, qui est le label de Pete Tong, que vous devez certainement connaître. Et la sortie était quasi imminente fin 98, sauf que il fallait que, pour des raisons juridiques, il fallait qu'il déclare le sample qu'il avait utilisé. Donc ça a pris un petit peu de temps pour arriver en mai 1999, qui est la sortie officielle de Big Love. Et comme il l'avait prédit, ça a été un tube interplanétaire. Et voilà, donc ce morceau, il y a vraiment c'est un morceau qui est très très bien construit, parce que il ne fait que c'est une espèce de progression qui arrive à la fin à son apogée, et c'est, il y a une espèce de petit côté un petit peu hypnotique, et personnellement, je trouve que c'est un morceau où on n'a pas envie que ça se finisse, tellement ça envoie d'amour et d'ondes positives. Donc on va écouter Big Love de Peter Heller. We'll be right back.
Et voilà, c'était Big Love de Peter Eller, sorti chez Defected. J'en profite aussi pour vous dire que ce soir aura lieu la toute première Glitterbox à Paris, et même en France, organisée au Rex. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses. Musicorama, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite. Bye bye.